Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 20 minutes. Et bah c'est parti, voilà, quête principale. Laisse-moi tester s'il te plaît. Je suis pas là. Ok, dégâts de feu intéressants. Oh, y'a un boss, le Ghostman! Enfin, un sous-boss. En fait, c'est les dégâts de feu qui sont intéressants. Surtout. Oh, il mute! Vas-y, laisse-le muter! Laisse-le muter! Et faut pas que le mec qui le tue. Ghostink! Il est où? Il est où? Ah, ok. D'accord. Ah, d'accord, ok. Lui, il va plus muter. Hein. C'est le bordel ce fusil. Je vais l'utiliser pendant un temps. Ghostman, point d'interrogation. Tiens, des futurs cadavres. Il est où? Il est passé où? Non. Ah, il fait lui. D'accord. Niveau 36. Attends, attends, laisse-moi mettre un coup. Ainsi s'achève le règne de terreur du légendaire ou pas? Ça fait un petit bruit. Ah non, c'est le pistolet bleu. Dégâts de pilonnage. Ok, ouais, c'est pas ouf. Essaie de suivre. Ah, je sais pas, le fusil à pompe, franchement. Attends, c'est quoi le fusil à pompe? Il fait moins de dégâts, mais il enflamme à tous les coups en fait. Et vu que j'ai des boosts de feu. Je sais pas, je sais pas. Ouais, je vais l'utiliser, c'est fun, j'aime bien. Allez. On va laisser peser. Ah, y'a un enregistrement. Accessible sûrement par ici. Merde. Plus haut. Non, je suis à l'étage pourtant. C'est dehors? Putain, je me fais engueuler par le gros. Non, on peut pas y accéder par là, ça c'est sûr. Plus tard alors. Non, non, par là, je pense. Bah monte par contre s'il te plaît. Non il veut pas. Sur Pandore, il semblerait que l'ascenseur menant à mon labo soit en miettes. Vous allez devoir trouver un autre moyen de descendre. Approchez les mauviettes. Wow. Bah, détruire le sol. Ouais, bah. Voilà. Et un coffre. L'entrée du labo est dans une grande caverne. Putain, ton singe, il est dehors. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus descriptif. C'est une caverne qui se trouve être de grande taille. D'accord. Par contre, moi, je veux mon enregistrement, madame. Putain, mais comment. Non, attends, on doit y aller par là. Ouais, c'est sûr. À mon avis, c'est ici que là, ça se passe.
Parce que je suis monté. Hop. Mais par contre, après, c'est pour sauter là. Ça risque d'être tendu, non? Ou alors on saute là. Oh, t'as... Putain, ok. Tu fais comment, là? Par la fenêtre, ici. Bah vas-y, va récupérer. C'est tout là-haut, c'est normalement. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je suis pas sûr que c'était comme ça que ça s'est passé. Je sais pas. J'ai fait un truc bizarre. Non mais j'ai vu ton cas. Ah, y'a un Yes Nice qui est cassé. Salut, ça va? Oh, alors comme ça, ça se fait kiffer dans une mine abandonnée? Ok, très bien, why not? Je voulais juste te dire qu'on bosse sur un... Je te prépare une grosse surprise! Oh, le énorme! Bon, bah voilà, on a tout, c'était dans... Troy, arrête, on en a déjà parlé. Enfin bref, yes, alors la c'est grande arche appelle! Vas-y, en plus de bruit, on apprécie. Fan. En fait, c'est bien que les ennemis sont en ligne, surtout. J'ai mis un point sur le réseau. Oui. Avec ce pompe, j'ai même plus envie d'utiliser ma compétence. Vous devez trouver Kate, un petit wagonnet à guicheur. Elle vous guidera. Nous avons eu une brève aventure passionnelle. C'est juste en bas. Qui a pris fin quand nos chemins se sont séparés, comme on dit. Enfin, c'est la vie. Maintenant, caressez ce wagonnet. Ah, c'est là-dedans. Je vous demande de me faire confiance. Oh merde. Oh, tais-toi, Kate. Ah, je pensais que tu l'avais ouvert. Non. Ah oh bah... Ah mais c'est... What? Mais c'est quoi ces bruits? C'est dur. C'est nul? Non non, il y avait un truc pour toi, t'inquiète. Moi, jamais, mais toi... Ah, une décoration. On s'en fout, mais... Tiens. Bon. Attends, non, c'était pas lui. C'était lui. Je te drop ça... T'es où, toi? Attends. Oui. J'ai pas vraiment... Je te les drop. T'as rien drop. Ah, c'est bon, bah du coup je prends ça. Aïe. Je te drop un truc. Oui. Non, c'est ici, c'est la drop. C'est dans le néant. Ah, il a glitch. Ouais. Si c'était un... 680... Ouais, je crois. 680? Ouais, comment ça s'appelle? Lance roquette. Ah ouais, sur. Ouais, mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on. Des sales gosses! Tuez-les! Si ces saletés entrent dans mon labo, ils vont détruire mon précieux équipement! Je t'ai bouffé! Ouais, je reviens dans la cour, quel casse-pied! En fait, c'est le même type de grenade que les grenades d'argent, mais sans l'argent. Merci, Kate. On s'appelle bientôt. D'accord. Bien, un rocher qui se soulève dans d'autres rochers. Voilà, mon amplificateur d'iridium. On doit le rapporter au repos de Roland. Désactiver ses couplages pour le préparer pour le transport. Je vous signale que c'est la première fois que je laisse quelqu'un entrer dans mon labo. Je fais une exception. Juste cette fois. Je vois que... Excellent. Ça me rappelle un certain boss. Je pense que l'un de ces interrupteurs devrait y arriver. Il y a une quête là. Certaines choses sont irréparables. C'est vrai. Bravo. Je comprends pourquoi Lilith vous envoie toujours faire à peu près tout en fait. Nous allons pouvoir installer l'amplificateur au repos. C'est un portrait du beau Jack. Avant oui, il y a plein de... J'ai avancé du coup, il y a plein de quêtes qui s'activent.
quand il n'était encore que simple programmeur. Regarde le beau Jack quand il était de l'ange susmentionné. Plus beau qu'avant. Il y a un compartiment secret derrière ce portrait. Vous allez devoir le retirer. Il avait une femme. Ne vous en faites pas. Ce bouton est parfaitement une fille désinfecté. Aussi. Là, c'était la sirène qui l'exploitait, là, c'est vrai. Oui. Ouvrir là, ok. D'après ce qu'on a trouvé dans les arches, je pense que les sirènes sont capables d'imprégner des souvenirs dans des objets physiques. Peut-être même de façon inconsciente. J'ai retrouvé l'un des jouets d'enfant de l'ange. Commencez par là. C'est ça. Vous cherchez un tétraours thracien en peluche. C'est l'ours là. Accueillant qu'un vrai, mais sans les griffes neurotoxiques. Oula. L'ange, c'est qui ce type? Captain Nounours, il mange les crimes. Quoi? C'est fou ce qu'il doit manger avec un bidon pareil. L'ange, ma chérie, c'est quoi ça sur ton bras? C'est toi qui as fait ça? Un bleu? Je sais pas d'où ça vient. Oh putain, attends. C'est joli? Le chat chauffe de la mayonnaise. Oui, ma chérie, c'est très joli. Chérie, tu peux venir voir une petite seconde? Le chat a chopé de la mayonnaise. Mais attends, mais c'est quoi cette phrase? J'avais raison. C'est un souvenir du jour où les pouvoirs de l'ange sont apparus. Elle aura peut-être interagi avec d'autres objets. Cherchez un vieux distributeur. Attends, mais il y a des trucs là. Mon vieux distributeur. Ça là. Ouais. Chérie, malade, je suis désolé. J'avais pas vu que tu étais là. Surtout, ne va pas répéter ce que papa vient de dire, d'accord? D'accord. Elle est cassée, la machine? Oui, on peut faire une croix sur les bonbons. Bon, le chat a trouvé de la mayonnaise. Maman, meilleure phrase. Sera là d'une minute à l'autre. Les petits sachets, là, de McDo. Je crois que je peux la réparer. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu viens de faire, l'ange? Comme la plupart des sirènes, elle s'est mise à employer ses pouvoirs de façon instinctive très rapidement. Elle n'avait pas conscience d'effectuer un verrouillage. Elle parlait simplement aux machines. Et plus important encore, celle-ci l'écoutait. Il devrait y avoir une tourelle dans la pièce. Cherchez-la. Tourelle? On est là. Une. La voilà. Touchez-la pour déclencher le souvenir. Papa, maman, au secours! Ça suffit, sale bandit! Tu vas nous rendre notre fille, d'accord? Non mais tu déconnes? C'est une putain de sirène! Je vais être trillionnaire! Dégage de là avec ta gonzesse si tu veux pas que ma tourelle vous plombe! Et oublie la gamine! T'as qu'à en faire une autre! Eh, salut hein! Je me rentrerai à la maison! Toi, ta gueule, ou bien je... Eh, mais... Je veux... Ça se fait. Qu'est-ce qu'on descend? Ah. Aïe. Je me brûle moi-même, hein. Ça fait plaisir. La douleur de l'ange était si grande qu'elle a remis cette tourelle en marche. Les cicatrices de cette petite fille sont profondes. Il reste un dernier artefact. Cherchez un satellite de communication d'Hyperion. Ah. Enfin. Papa, pitié, libère-moi.
possible, ma gentille petite ange. Tu es là pour ton propre bien, tu comprends? C'est de la connerie! Pas de gros mots! Écoute, chérie, je ne peux pas te libérer après ce que tu as fait à ta mère. Je ne pourrais pas supporter que quelque chose t'arrive. Tu le sais. J'ai pas fait exprès. Je sais, chérie. C'est pour ça que tu dois rester dans le fauteuil. Mais j'ai quelque chose pour toi. Ce fauteuil est connecté à tout le réseau d'Hyperion. Comme ça, tu vas pouvoir observer toutes les planètes dans le ciel, par tous les satellites qu'on possède. Depuis ce fauteuil, tu as la plus belle vue de tout l'univers. Et on va travailler ensemble, toi et moi, chérie. Ça te plaît? Oui. Ok. Je t'aime, l'ange. Moi aussi, je t'aime, papa. L'ange a passé la majorité de sa vie enchaînée aux technologies d'Hyperion. Avec ses souvenirs, je devrais pouvoir réparer le purificateur d'eau. Retournez au repos de Roland. Je vais tenter de me connecter. Je pouvais pas jeter un vide purificateur. Okay. T'as vu, c'est un avion? Ah oui. Ils ont construit une maison avec un avion. Une maison. Ouais. Une azon. C'est bon? Une azon. Allez, on se bouge! Conduire le véhicule de vol. Oh! Il a l'air d'avoir un gros boost! C'est où? En bas. Oui, j'ai pas le droit, moi. C'est bon? Ah non, c'est pas le nitro. Ok, je suis déçu. La grosse bonbonne derrière là. C'est la suite de la quête? Oui. Ah, oh, saloperie! Les bandits nous ont trouvés! Le petit jazz là. Aucune musique pour moi. Ah oui, c'est. Hyménoptères! Ah ouais, je te conseille pas de t'approcher! Ces bestioles sont encore plus moches à l'intérieur! Tu peux me croire? Tu savais que les bandits adorent les hyménoptères écrasés? Je dis ça, je dis rien! Les descendants! On va se les faire! On est touchés! Bienvenue en plein danger, les cons! Les cons! Écrase-moi cette pédale! Je veux dire, appuie sur le machin avec ton pied! T'arrêtes pas! Ça suffit. C'est la guerre. En voilà encore d'autres. Protège la marchandise. On va pas se laisser faire. Je me protège. On en a d'autres au cul. On va se les griller. Une de ces dates. Il tire sur nous. Voilà d'autres bagnoles. Attention danger. T'aurais dû tirer dans le bidon qui est au-dessus de. On est en train de se prendre des coups là. Ouais, j'avais pas vu. Ouh, bien joué. Oh, je crois qu'on est bon là. T'as vu, ça clappe comme un bug. On est pas encore tout à fait tranquille. Faut les repousser. Non mais ça met des coups, ça fait. On se fait exploser. Les tourelles. Ah oui. Ah, les tourelles, ça me rend triste depuis que Troy Calypso m'a fait rouvoler les miennes. Allez, balance tout. On va pas se laisser faire. J'aurais dû mettre un coup de frein à main. C'est triste pour me dire. Bah là, c'est une petite musique calme, ça a rien à voir, tu sais. Il tire sur nous. On va se faire éclater. Putain. On va mourir, c'est Anthony, moi, si tu fais pas d'efforts. Qui le décrète. Ça régène pas en plus. Détruis-les. On va passer nos nerfs sur. On va régène, on va régène là. On va faire une petite pause.
T'imagines, on aurait lose la mission là. On y est presque. Alors qu'on arrive bientôt. On est touché. Normalement, oui. Bah, regarde la map au pire, hein, si ça continue longtemps. Ah, merde, on est bloqué, vite, chasseur de l'arche, vise ce réservoir. Détruire le gros réservoir. Allez, allez, on avance. What? Sentier de la guerre. Ah. Okay. Oh, y'a un Yes Nice de qualité là. Hein. Oui. On a réussi, j'ai le cœur qui va trop. J'adore cette planète. Vive les éclipseurs, pardon, les pillards écarlates. Wouhou. Ah, je croyais que c'était le rack de Mordecai qui nous avait suivi, mais pas du tout. C'était un rack. Non, un rack Mordecai. Enfin oui, oui, pas un rack, mais l'oiseau. Plus de joueurs dans la partie signifie plus d'ennemis à affronter et un bulletin de meilleure qualité. Ça c'est pas sûr. Oh le bulletin. Ah, enfin chier soi. Oui, Brick. Parlez à Vaughn. Ok, fallait parler à Brick et ensuite parler à Vaughn. Ah mais oui, Brick, c'est pour la quête. Il faut que je te dise un truc. J'ai pas mal bourlingué en voiture. Essaye de le trouver en même temps qu'il parle l'autre. La vache, quel putain de talent. Quel putain de talent. Alors si tu veux partir en balade un jour, pense à moi surtout, hein. J'ai même une super playlist de malade. Pardon, je crois que je me suis laissé un petit peu emporter là. Enfin, bref. On va protéger le machin bidule d'Iridium et rallier les troupes. Quand Lilith nous en donnera l'ordre, on foncera. Oh, tu pourrais dire à la voix dans ma tête de rester dans la sienne entre 8h et 11h. J'aimerais être peinard, c'est mon créneau perso. J'ai trouvé le rythme. Oh, il est à l'autre bout. Au pire, je me TP. Il y a des gens derrière. Pourquoi? Oh, ah oui. Ah, parce que moi j'étais dans mon chargement, du coup je l'étais. Alors, pangolin. Attention, échec de confinement. Inflige 204 de dégâts irradiants par seconde aux ennemis à proximité et immunise contre ce même type de dégâts. C'est craqué. Plus 80% de dégâts au corps à corps quand votre bouclier est vide. Vos tirs drainent 30% de votre bouclier lorsqu'il est plein pour 20% de dégâts des armes. C'est pas assez spécial pour toi ça, hein. Et dont on m'en occupe. Moi aussi je m'en occupe, hein, clairement. Attends. Tu savais qu'il était parti en fait. J'avais 2000 de capacité de shield, mais là franchement. 100% de résistance. Le chasseur de l'arche l'a aidé à se préparer à nourrir le petit griffe rouge avec cette cervelle juteuse. Alors. Niveau sup. Merci pour tout. Parler à Mordecai, ouais. On termine ça et puis après on se laisse. Brick nous a bien fait cavaler toute la journée, toi et moi, pas vrai? Mais c'est pas grave parce que comme ça le bébé aura de quoi. Tire avec ton bouclier plein. Merci d'avoir pris soin de mon. Regarde Grifouille. Tes balles comment elles sont. Elles sont normales. Ah ouais, bah sur mon fusil à pompe elles sont pas du tout normales. Hein. 700 de dégâts. Attends, ah, il y avait un truc là. Dégâts augmentés de 175% contre les créatures. Putain, 1400 de dégâts ça veut dire. La grande arche, mais ça va être la fin là, non? Je pense qu'on s'en rapproche. Bon timing pour Red Dead. Ouais, j'avoue. Ah, mais bon, Red Dead, tu le fais pas en coop. On fait du multi. Ouais, très juste. Bon bah du coup on va s'arrêter là, merci, parce que quand on va se TP en fait ça va parler et tout. Donc on va s'arrêter là, merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.